bonjour la salle. Nous sommes revenus ici pour conclure le procès du patron Mudibou et son employé Samson le Fléau. Juge Posda, à vous la parole, je vous remercie. Moi aussi je vous remercie maintenant, accusé plaignant. Sous le respect de la constitution de la R de ce pays des grands, jurez-nous de ne dire que la vérité, bien que la vérité. Alors, monsieur Mudibou, quelles sont vos raisons pour accuser le flot d'assez au tribunal? Nous sommes à votre écoute, ben, vous avez la parole. Yeah, permettez-moi, messieurs les juges, Mudibou c'est mon client, vit sa grandeur. Son honneur, il ne peut pas être agressé par ces minables, des fléaux et des plagiats de sécurité. Rapprochez de mon client, il doit avoir du respect. Il n'est pas à son niveau, Mudibou est portant au Congo. Un homme, sa valeur, c'est à l'air, cognez mon client pour rien. Il faut que cet homme soit puni, que la justice soit faite. Mes chers collègues dans la salle, si je peux dire un mot dans ce procès, c'est que ni au-dessus de la loi, ni un blanc, ni un noir, on est tous égaux, ni un président. La tolérance zéro, ce n'est pas seulement les pauvres qui vont le subir. Que du l'article 16, que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la protéger, de la respecter. Monsieur le président, je m'excuse pour la parole, j'ai croisé, ok, j'allais juste préciser. Ne nous sommes pas au théâtre, nous nous sommes des magistrats pour rendre la justice. Une affaire trop simple, article 11 de la constitution, tout être humain naisse libre et égaux en dignité. Ici, les jugements, les jugements, les jugements, il faut pas juger sous l'embrouillement. Utilisant les éléments positivement, négativement. Les jugements, les jugements, les jugements, on doit pas juger sous l'embrouillement. Ok, silence dans la cour. Monsieur Samson le Fléau, vous êtes accusé pour une agression criminelle à Monsieur Mudibou le Libanais. Silence, je disais donc d'une agression criminelle à Monsieur Mudibou le Libanais. Nous sommes à l'écoute dans ta version. Oh. On m'appelle le Fléau, agent de sécurité rapproché de Monsieur Mudibou le Libanais. Si je les connais, ce n'est pas parce que je suis voyou ou minable, comme le disent son putain d'avocat. Mon travail est de les protéger, de les garder, mais pas de devenir sa marionnette. Joue avec ma personnalité, mes ridiculiser, mes bafouer jusqu'à mes gifler. C'est la raison qui m'a poussé à les cogner. Les agents de sécurité mal payés, les journaliers travaillent trop en excès, mal payés. Mais nous parlons tous des droits de l'homme, mais sur lesquels nomme. Les étrangers nous colonisent, les expatriés nous maltraitent. Notre audace est dire, la loi est morte au Congo. Jusqu'à quand nous Congolais souffrirons dans notre pays? Pour finir enfin, mais noter, je suis pas grévé pour la vérité, appelle-moi fils dédié. Mon rap est gandé, s'esperge avec l'eau des galins. Ma vérité dérange comme John Kennedy. Les mensonges n'existent pas dans mon calepin. Pour me faire taire, juge président, coupez-moi la langue. Ok, et tac le juge président, je blanchis monsieur Samson le Fléau. Passe-le maintenant à monsieur Mudibou. Mon affaire est prise en délibéré. Moi et mes juges assistants, donc l'audience s'est levée. Les jugements, les jugements, les jugements, il faut pas juger sous l'embrouillement. Utilisant les éléments positivement, négativement. Les jugements, les jugements, les jugements, on doit pas juger sous l'embrouillement. Utilisant les arguments soigneusement, légitimement.